Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui, vidéo déballage d'un partenariat. Alors, je dois dire que je suis très 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 surprise. La personne dont j'ai reçu ce colis, vous remarquerez que là il y a du scotch. Vous remarquerez que là il y a du scotch. Je ne sais pas c'est quel partenariat puisque je n'ai pas encore ouvert. Si c'est ce que je pense, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose dedans. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Alors en fait, je vais l'ouvrir avec vous, mais je vais juste couper le son, comme ça, il n'y aura pas de souci et je montrerai en fait cette vidéo à mon partenaire parce que ça me paraît quand même assez bizarre. Donc je vais couper le son. Alors dedans j'ai qu'une toile. Dedans j'ai qu'une toile et donc il me manque quelque chose. Voilà, donc on va ouvrir ça. J'ai qu'une toile dans mon colis et je pense que c'est le partenariat, si je ne dis pas de bêtises. Mais pas du tout, mais qu'est-ce que c'est cette toile? Alors, c'est pas du tout le partenariat que je pensais. Alors, du coup, il me manque plus qu'une toile. C'est Diamond Argift. En fait, il me manque une toile. Voilà. Donc, en fait, j'ai eu qu'une toile sur les deux. Donc c'est Diamond Argist, c'est mon troisième partenariat avec cette boutique. J'avais été contactée le 14 avril, confirmée le 19 avril. On est aujourd'hui au mois de mai, on est le 5 mai. Et ben voilà, et ben il me manque une toile. Il me manque la toile d'épée Paris que j'avais commandée. Alors celle-ci c'est une 40 par 50 cm. C'est la toile d'épée Londres que j'avais commandée. Elle était à 8,99 $ et il me manque la DP Paris. Et ben génial. Donc du coup, ça, cette vidéo, je vais l'envoyer à Diamond Argift pour leur montrer que finalement, dedans, je n'avais qu'une seule toile. Et je vais voir avec eux. Je vous fais quand même la vidéo de déballage, hein, c'est tout à fait normal. Donc c'est une toile qui est hyper, hyper confettie, comme vous pouvez le constater. Elle a 23 couleurs et ce sont des diamants qui sont ronds. Diamant rond, voilà, pas mal de couleurs hein, dans les tons rouges, dans les tons bleus, dans les tons verts, bruns. En plus, c'est super bien parce que c'est en sachet, donc ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup. Et on a un toolkit de base avec stylet, colle, barquette. Mais la toile, elle est plutôt sympa, mais c'est vrai que là, je suis un peu déçue, mais vraiment très déçue. Parce que la toile sur Paris, elle me plaisait vraiment beaucoup. En plus, j'avais du mal à trouver une toile qui me plaisait énormément. Je me rappelle qu'avec c'était Nano qui m'avait trouvé, Noison Nano, on avait cherché ensemble, elle avait trouvé cette toile sur Paris et sur Londres, si je ne me trompe pas. Donc voilà, bon, quand même pas mal de confetti au niveau de la toile. Par contre, les symboles ont l'air plutôt pas mal. Je pense que ça devrait quand même aller avec une petite tablette lumineuse. Ça devrait être pas trop mal. Hein, voilà, Londres. Voilà, donc le bus ici, le pont de Londres, le drapeau. On est vraiment dans le thème hein, puisque samedi, c'est le couronnement de Charles III. Donc voilà, donc j'ai pris une toile sur Londres. C'est plutôt pas mal. Ouais, j'aime beaucoup. Normalement, là, c'est un café. Là, on voit pas trop bien. Un peu pixelisé, mais bon voilà quoi, c'était cette toile là. Je suis vraiment déçue là, je vous assure que je suis ouf, mince. C'est ouais, je vais voir avec Diamond Argift, je vais leur envoyer un mail, lui expliquer la situation. Donc voilà, voilà pour cet unboxing, bah, qu'une seule toile, 40 par 50 cm, bord inclus. Je remercie énormément la boutique Diamond Argift de m'avoir permis d'avoir ce partenariat. C'est mon troisième partenariat avec eux. Par contre, je suis vraiment désolée qu'il n'y ait qu'une seule toile. Voilà, j'ai vu que... Ouais, bah tant pis, c'est comme ça. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Durant le transport, il y a eu un petit vol en cours, à mon avis. Une toile volée.
Ah, la voiture de Paris. Bah, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.